La RDC, cette médiation en Angola, est maintenant quoi ? À la frontière avec le Rwanda, la situation n'a quasiment pas évolué. La province du Nord Kivu reste en proie aux attaques du mouvement M23. Kinshasa assure que Kigali soutient ses miliciens, le Rwanda dément toujours. La semaine dernière, les deux présidents se sont entretenus à Luanda sous les auspices de João Lourenço. Certains évoquaient ensuite un cessez-le-feu, d'autres une feuille de route qui prévoyait le départ progressif de ces hommes armés. Le M23 lui-même s'empressant de dire qu'il ne se sentait pas concerné puisqu'il n'était pas invité à la rencontre. Comment expliquer cette cacophonie ? Début de réponse avec Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence au sein de l'Institut congolais Ebouteli. Le gouvernement congolais, depuis plusieurs mois maintenant, refuse absolument de négocier avec le M23. Parallèlement, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23, ce que le Rwanda dément. Mais donc, pour le gouvernement congolais, le seul interlocuteur dans cette histoire ne peut être que le gouvernement rwandais. Et pourtant, effectivement, le M23 ne se sent pas tenu par les discussions qui ont eu lieu à Luanda, dont il ne faisait pas partie. Il y a de petites avancées, jusqu'à maintenant sans impact visible sur le terrain, puisque les combats se poursuivent. Et le fait que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais aient communiqué chacun de leur côté sur des éléments différents de cette rencontre montre que, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, avant d'avoir une compréhension mutuelle entre les deux parties et des efforts qui convergeraient vers une solution. On en est encore assez loin.